diverses banques en République dominicaine complices dans l'assassinat président Jovenel Moïse. 20 millions de dollars blanchis dans la banque République dominicaine. Eh bien, après mettre Newton Saint-Just, te fin voyer une lettre bail procureur République dominicaine. Eh bien, yon enquêteur dominicain prouve 20 millions de dollars passés dans la banque en République dominicaine. Et m'bral raconte ou tout détail. Mais ou rappelez ou tout, avant même Colombien yon te entré sous sol pays d'Haïti, c'est en République dominicaine yon te passé. Ou pas songe pati ça, gan pile ou kose ou pral découvri nan vidéo sa, chanti proverbe créole la di, justice bon Dieu, c'est kaka bef. Bon, sa ka passe nèg plateau central pendant dernier moment yo la. Nan jou passe yo, la police dépose la patte sous Jean-Louis, eh bien qui t'a assassiné trois petites li. Eh bien, hier encore, la police dépose la patte sous yon lot papa, qui lage deux petites lits dans yon tout toilette. M'ral raconte ou. Gentil proverbe créole l'a dit. À la belle courita belle, si bouquet pas existé. Et c'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou rale chez ou chita. Fou ko sami info pa ou rentre la kayo se yon plaisir. M'ral ba ou tout tripotay sa yon nan bon timamit. Sans retirer et sans mité. Bonjour, bonsoir tout moun. Kouman nou ye. Encore yon autre fois m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sur la chaîne, pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous avons une chance de présenter un petit compte ailleurs et compte ça qui c'était, eh bien, maman tout uni, mais elle couvre tout le monde là. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est ciel. Un petit cri-crac pour nous voir compte nous gagner. Sous proche prem, m'a grillé ou. Si vous proche prem, m'a grillé ou. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en kem te annonce ou, eh bien, diverses banques en République Dominicaine complices dans la mort président Jovenel Moïse, puisque diverses millions de dollars blanchis dans la banque dans le pays si là, capable révéler acte intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. Yon nan pi gwo bank en République Dominicaine nan Santo Domingo, yon total de 20 millions de dollars blanchi pour payer assassiné président Jovenel Moïse, selon yon nan meye enquête sous blanchissement l'argent en République Dominicaine. Avocat José Manuel Patin, qui te allé l'école commerce nan Michigan, qui était responsable conformité en matière lit contre blanchissement l'argent dans Citibank dans pays les États-Unis d'Amérique, déclaré dans télévision dominicaine Primera Entrega, diverses banques dominicaines capables sanctionner parce que yo te bail possibilité pour blanchir l'argent sans bail aucune explication. Avocat ça qui déclarait l'argent ça qui traversé dans pays qui c'est 20 millions de dollars pour touiller président Haïti qui c'est un acte terroriste qui passait dans banque dominicaine yo. Eh bien dans conférence ça avocat Patine pas dit si l'argent ça passait directement dans système financier République dominicaine non qui t'a permis nous découvrir qui banque exactement et qui est si yon tapral condamné à qui yon amende. Eh bien, cabinet Patine ak associé li qui spécialisé dans prévention ak enquête sous blanchissement l'argent ak faute entreprise, li pas révélé comment li apprend blanchissement ça, ni l'a pas dit qui est
qui impliquait là-dedans tout. Sans oublier, eh bien, un jour passé, yo, Maître Newton Saint-Just, te voyé yon lettre by procureur général, République Dominicaine, Dr. Myriam, li exige yon enquête sous blanchissement l'agent présumé ça. Si information ça, eh bien, vérifié, c'est ap yon violation flagrante sous loi 1er juin 2017 là. Contre blanchissement l'argent et financement terrorisme. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, sous dossier ça, entendez M. Newton Saint-Just qui t'a bail plus de détails. Nous avons déjà entamé une grande campagne à travers le Parlement dominicain pour avoir une enquête parlementaire à travers le Parlement, le Congrès américain et les autres organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, nous sommes en train de monter une grande campagne. Non, non, le pape au Jovenel Moïse, non. Mais vous savez que, il faut nous qu'on honte, ce qui s'est passé est une honte pour nous autres Haïtiens. Et malheureusement, il paraît qu'il y a d'autres peuples qui ressentent, qui ont honte de cette honte plus que nous. Et nous devons, comme citoyens, faire ce que nous pouvons avec les moyens intellectuels, les moyens technologiques qui sont à notre disposition pour démontrer à ceux qui ont peur que la lutte entre la vérité et le mensonge, c'est une lutte qui a pris naissance, disons, depuis la naissance des siècles. C'est-à-dire que cette lutte va toujours exister, mais on n'a pas besoin de 20 millions de dollars. On n'a pas besoin des armes comme la Colombienne pour faire triompher la vérité avec les moyens, surtout, qui existent aujourd'hui. Maintenant, le danger aujourd'hui, c'est de laisser, d'abandonner cette enquête entre les mains des États-Unis, de l'international. Nous autres, nous avons là cette habitude de dire et de croire que c'est entre les mains des Américains, donc c'est bien gardé. C'est faux. Ils sont menteurs comme tout le monde, comme tous les hommes. Ils sont corrompus comme tous les hommes et ils défendent surtout leurs intérêts comme tous les hommes. Et je vous donne un exemple. Le crime a été planifié dans les locaux de CTU, de Counter Terrorist Unit, dirigé par Archangel Pretel et Antonio Entriago. Par exemple, Antonio Entriago était en Haïti 3 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était venu coordonner tout. Et son avocat a déclaré à un journal américain et mexicain que Entriago avait même cherché, avait pris des dispositions pour rencontrer l'ambassadrice américaine en Haïti. Mais il était vraiment occupé, il n'y avait pas, ils n'ont pas pu trouver une entente pour avoir un rendez-vous, mais ils se sont rendus À l'ambassade pour les avertir ou pour les informer du travail, du boulot qu'ils étaient venus faire en Haïti. Et le travail a été fait. Oui, mais c'était quel travail? L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est ce que nous avons comme résultat. C'est ce que nous avons comme résultat. Mais on rapporte qu'au départ, il n'était pas question d'assassiner Jovenel Moïse. Je suis désolé, c'est le résultat qui compte pour nous. Mais, deuxièmement... Donc, vous êtes en train de nous dire, de confirmer pour nous, qu'avec ces éléments-là, que les Américains étaient bel et bien informés. D'une opération, de la présence de ces gens sur le terrain, et qu'ils n'étaient pas venus apporter des fleurs au président haïtien, ou faire du tourisme. Mais deuxièmement, à quand elle prétend? Qui est Archangel Pretel? Archangel Pretel est l'un des agents les plus importants de la CIA et de la DIA dans le cadre de la lutte contre les FARC. Il a permis à la justice américaine de juger plusieurs hauts gradés de FARC en Colombie et qui ont été extradés vers les États-Unis. Après ou avant même l'incident, parce que c'est lui qui a procédé au recrutement des criminels colombiens, eh bien, sa déclaration était claire que ce que vous allez faire en Haïti est supporté par le gouvernement américain. C'est ce que la plupart des militaires colombiens, leurs parents, leurs familles ont rapporté
que Arkangel Pretel, bon, maintenant, une enquête va déterminer si Arkangel Pretel mentait ou non, mais cependant, les faits nous montrent qu'il avait raison. Pourquoi? Arkangel Pretel et Antonio Intriago sont les deux premières personnes à être questionnées, auditionnées par FBI, par le FBI. Où sont-ils maintenant? Ils sont quelque part dans l'air, dans la nature. Ils sont protégés peut-être pour les services rendus. Or, qu'est-ce que nous avons vu? John Joao Joseph, Palacios, Jarre ont été recherchés et arrêtés en Jamaïque, en République dominicaine. Mm-hmm. Et Arkangel Pretel et Antonio Intriago sont à Miami, sont en Floride. Ils sont en Floride, c'est, oui. Ils résident en Floride. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées si véritablement les Américains voulaient nous aider. Pas nous aider, mais voulaient et que la manifestation et la recherche de la vérité. Si M. Ariel Henry veut démontrer qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire et que son gouvernement, comme il l'a dit par exemple dans une entrevue, lors d'une entrevue avec Miami Herald, qu'il veut tout faire pour faire la lumière sur ce dossier, il y a une opportunité en or qui lui est offerte aujourd'hui avec ce qui se passe à la République dominicaine. Montrez-nous, M. Ariel Henry, que vous voulez que la vérité jaillisse sur les auteurs intellectuels de cette infraction. Parce que, vous savez, un crime comme celui-là, c'est un rire, à la fois un rire et un sourire moqueur. Non, rien de cela. De tristesse aussi. Rien de cela. De tristesse. Alors, ce que je veux dire, en matière de crimes financiers, et en matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée, le cœur de la criminalité organisée, c'est l'argent. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce principe, cette formule anglaise, « Follow the money, siga el dinero ». Suivre l'argent. Eh bien, en suivant l'argent. Tracer l'argent. En suivant l'argent, vous avez déjà les criminels en main. Chaque dollar identifié vous permet d'approcher plus près et du criminel. Et aujourd'hui, la meilleure façon de savoir qui a tout fait est de savoir qui a financé. Et les mains qui ont financé, vous savez que l'argent qui a été dépensé n'était pas tombé du ciel. Et il venait de quelque part, oui. Apporté par quelqu'un. Et donc, M. Ariel Henry, c'est une opportunité qui lui est offerte aujourd'hui en instruisant, en intimant l'ordre à l'UCREF. Et parce que l'homme qui n'a pas encore un jus sur ce dossier, je ne sais pas si on aura le temps de parler de magistrat Bilab, l'homme qui n'a pas... C'était justement le dernier point que vous allez aborder avec vous. Et l'homme qui n'a pas de juge sur ce dossier, vraiment. Et donc, le gouvernement haïtien peut demander au gouvernement dominicain de vérifier ces informations et... Le gouvernement haïtien peut aller plus loin à travers le GAFIC et pour vérifier si effectivement cet argent a traversé nos frontières ou bien s'est déjà retrouvé en République dominicaine, si cet argent a été utilisé pour assassiner Jovenel Moïse, et parce que le système bancaire dominicain, à travers la Unidad de Análisis Financiera, doit produire des rapports mensuels. Et un tel montant doit faire l'objet d'une déclaration de provenance de fonds. Si quelqu'un est venu avec quelques millions de dollars dans une valise et dire qu'il faut remettre ça pour nous aux Colombiens, mais il faut que cela passe par votre système bancaire afin qu'il soit blanchi en parlant de cet argent. Donc, c'est tout le système financier dominicain, et plus tard peut-être le système politique, qui
peut-être touché, qui peut être concerné par cette affaire. Mm-hmm. Non, et nous avons besoin d'hommes d'État. Mm. Alors, nous avons besoin que M. Ariel Henry prenne sa responsabilité. Alors, alors même qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, nous autres comme citoyens, à travers les mécanismes en place, à travers les réseaux que nous avons, eh bien, nous allons forcer M. Ariel Henry, la justice dominicaine et, pourquoi pas, GAFIC à mener une enquête. Oui, bagaille compliqué, extrêmement compliqué, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous rappelez-nous, eh bien, divers Colombiens t'ont fait photo devant palais en République dominicaine. Nous pas rappelez-nous dossier ça. Nous rappelons avant l'assassinat Jovenel, il y a une grosse réunion qui a été faite. Divers ex-présidents dans le pays d'Haïti étaient déplacés, viennent participer dans la réunion ça en République dominicaine. Et rappelons tout, les que, eh bien, Christian Emmanuel Sano a débarqué dans le pays d'Haïti avec divers lots. C'était dans un petit avion dominicain qui était débarqué dans l'aéroport Toussaint-Louverture. Donc, frères et sœurs bien-aimés, faut que nous jouions une explication sur tout point ça yo. Et rappelez-nous tout, les plans négio c'était arrêter président, c'est ça au fait qu'on est pas de plan tout yé. C'était arrêter président. Donc, ça que fait plan pour aller changer, c'est parce que yo pas qu'à joindre avion pour capable aller ensemble avec président non pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître dans qui pays yon tap mené Jovenel. Faut nous connaître dans qui pays assassin yon tap mené Jovenel. Parce que nous rappelons nous dernièrement à travers divers tweets, eh bien, John Joel Joseph te fait, les dit département d'État à gauche, département d'État à droite. Est-ce que c'est aux États-Unis yon tap pral ensemble avec lui? Est-ce que c'est Colombie yon tap pral ensemble avec lui? Est-ce que c'est Venezuela yon tap pral ensemble avec lui? Est-ce que c'est en République Dominicaine yo t'a traversé ensemble avec Jovenel Moïse? L'important pour nous connait parti ça yo. Et frère c'est ça bien-aimé, ou konn yon nan bagay qui très important, monsieur, où est leur sousou? Leur son peuple et pour gon équipe dirigeant sans caractère, mais des fois tout c'est tellement yo fait crime, moi konn la tout monde connait son bande criminel, yo pas prêt pour rien. Yon groupe colombien sorti la kayom d'accord yo te gen mission yo vin accompli mission mais yo participé nan touye un président qui élu et jusqu'à présent gon paquet qui nan prison. Est-ce que pays Colombie même yon fois te kon note li mette deyol présenté excuse li à nation haïtienne? Non, réponds-moi, est-ce qu'elle te met ton note deyol pour présenter excuse? Parce que immédiatement, il y a un groupe étranger qui saute côté au sautical, tout est un président. Eh bien, c'est guerre déclaré ensemble avec le pays. Juste imaginez-vous, eh bien, si c'est nous qui sommes en position, eh bien, nous te montons un groupe mercenaire tout un président dans le pays Colombie. Comment vous avez pris les bagages là? Comment vous avez pris nous? Donc, des fois, frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre bagay, yo faut faire investir, il faut garder pour comment ça t'a payé pour vous, qui ça t'a réservé pour après Zach ça au fin fait, adje la vie ça et pour garder ou dirigeant, c'est ti photo y a fait avec ex-président, y a baiti là, mais est-ce ça dirigeant ou fait plus dans le pays d'Haïti, faire photo ou y a chita, y a planifié, rien pas jamais fait. Photo, yo te contre un tel, yo te contre un tel, c'est photo seulement yo fait. Même j'en vois artiste, yo pas réglé rien, hein. C'est même j'en politicien, yo pas réglé rien. Frère, c'est ça bien aimé. Pas qu'on connaît Chen Mike à marcher dans le pays, hein, non? Ouais, artiste, ça, au lieu de travailler, il just chita, m'de contre tel artiste, m'fait photo, puis le poster, il bon respect, et puis, qui ça? Yo quoi ça avec ou artiste étranger, au lieu de bataille pour arriver dans le même niveau, ou juste font photo, yo a gagné comme souvenir, même j'avais dirigeant pays d'Haïti. Au lieu de bataille pour développer pays, pour faire pays aller vers l'avant, c'est juste photo seulement yo fait. Matt Newton, on continue, petit garçon. Le nouveau juge d'instruction vous a. En fait, vous l'avez appelé. Le qui? Nouveau juge d'instruction, vous l'avez parlé. Qui? Le nouveau juge d'instruction. Vous pouvez parler de Belab? Oui. Alors, tout le monde connaît. Il faut dire que Belab et moi, on était au programme de maîtrise en criminologie en 2007-2008. Et depuis l'affaire Sogener, on n'a aucun contact.
Vous savez pourquoi? Que... Pourquoi? Et pour des raisons... Le conflit d'intérêts ou... Non, parce que... d'abord, pour une inimitié et capitale entre lui et Maître Février, et nous avons dû demander son renvoi, faire une action en renvoi, en dessaisissement contre magistrat Abelab, et ce qu'il n'a pas dit, bien digéré, donc il nous a tous considérés comme des ennemis. Il était avocat. Il est juge, non, juge d'instruction. Okay. Et dans le cadre du dossier Sogener. Maintenant, lorsque j'ai appris que ce dossier a été confié au juge Belab, la première chose que j'ai faite, et j'ai été appelé par plusieurs médias, j'ai dit que je vais donner un temps au magistrat Belab pour voir ce qu'il va faire. Maintenant, les dernières informations me font comprendre que ce juge n'a jamais eu ce dossier. Le juge n'a jamais eu le dossier et je ne sais pas pourquoi que le juge n'a jamais eu ce qu'il a demandé. Je ne sais pas pourquoi. Et je vois sur les réseaux sociaux des gens qui parlent beaucoup, qui se plaignent, qui se moquent, je ne sais pas, des obligations, des exigences du juge. Je ne sais pas si c'est fondé. Mais je dois vous dire que, par exemple, 1 million de gouttes par mois pour un tel dossier n'est rien. Ce n'est rien du tout. C'est ce qu'il a demandé? C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, ce que je veux dire, que le pouvoir judiciaire est un pouvoir comme tous les autres pouvoirs. Si nous voulons véritablement appliquer cette constitution, malgré cette situation dans laquelle nous vivons, il faut doter les trois pouvoirs des mêmes moyens. C'est d'abord. Mais ensuite, je dois vous rappeler que pour mener le dossier de Jean-Dominique, le Palais national, M. Préval, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux principes, je dirais, institutionnels, mais M. Préval a mis à la disposition du juge Claudie Gassan 500 000 gouttes par mois. Et à l'époque, nous sommes entre 2001 et 2003, et il nous fallait entre 29 à 42 gouttes pour un dollar. Donc, c'était encore plus d'argent. Ça valait quelque chose. Cela valait beaucoup plus d'argent. Donc, en dehors des moyens économiques, pour mener à bien ce dossier, le juge, quel que soit le juge, il aura besoin de ressources humaines. Par exemple, le président Jovenel Moïse avait commandé de payer une enquête sur les gangs armés, sur les exportateurs, je ne sais pas, les importateurs, les trafiquants d'armes. Pour ce rapport, on a dû payer à M. Saint-Effus 700 000 dollars américains. Mais dans le cadre de ce dossier, on peut besoin de l'expertise de M. Patine en République dominicaine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va demander. On peut besoin de l'expertise de spécialistes en matière de terrorisme. On ne sait pas ce qu'il va demander. Donc, et la justice a un prix, et la justice n'a pas de prix. C'est-à-dire que pour que la justice puisse triompher, il faut investir beaucoup, mais le prix à payer n'est rien. C'est ce que je dis, que la justice n'a pas de prix. Donc, moi-même, j'aurais aimé voir les premières actions du juge Belab dans ce dossier. D'autant plus que j'ai appris que son mandat arrivera et prendra fin à la fin de ce mois. Mais ce n'est pas un problème. Parce que j'ai vu là, la semaine dernière, M. Ariel Henry nommé plus de... Il a renouvelé le mandat. Renouvelé le mandat de plus de 80 juges. Et donc, c'est une formalité. Donc, j'aimerais voir et juge Belab à l'œuvre. Mais je dois aussi dénoncer qu'il y a une campagne aussi que j'appelle Zafra et de recrutement des juges pour ce dossier qui se fait à la primature. Parce que M. Ariel Henry ou bien ceux qui l'entourent ne veulent pas qu'il y ait un juge. Et je ne sais pas si M. Belab a fait l'objet de ce... ou est passé par cette campagne de recrutement. Mais c'est une campagne sérieuse parce qu'on ne veut pas voir les doigts
de M. Ariel Henry dans ce dossier. Il y a d'autres personnes aussi qui ne veulent pas qu'on voit leur droit. Mais ce serait de bonne guerre. Mais dans l'état actuel du dossier, à partir de ce qui se fait au niveau international, cette loi prise par l'administration Biden après sur demande du Congrès américain ce 15 mars, et cela démontre que de plus en plus il nous faut des juges qualifiés, il nous faut sauver notre dignité, il va de notre image et avec les... On va sauver ce qui peut l'être, en tout cas maître... Avec ce qui se passe aussi en République américaine, il faut qu'un juge soit enfin en charge de ce dossier, et parce que comme nous l'avons dit au début, en matière d'enquête, plus le temps passe, plus il est difficile d'aboutir au résultat escompté. En tout cas, justice, bon Dieu, c'est cacabef. La justice pas chambé di bataille, attendez. Quel que soit plan criminel yo gagné, bon kafou yo a privé, yo a mette code nan kou yo quand même. Gentil proverbe créole l'a dit. Tout menti pas foncé l'âge li l'âge. Eh bien frères et sœurs, journée jodi a nan dossier assassinat Jovenel, nan dossier assassinat Mèd Doval, m'ap dou pran patience. M'a ressenti ou chimé a plong, mais quand même nous pas capable joindre. Bonjour résultat. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, laissez pas garçon kap touye femme, qu'on y a messieurs la gen nan touye pwop pitit yo. J'en ap gade image ça, eh bien, élément sa rele Sony Cassius Jean. Eh bien, li prend deux petites li, li lage yo non tout toilette. Et c'est grâce à intervention voisinaille qui courit, eh bien, prend si moun yo rale yo nan tout. Malheureusement, ge youn ki mouri, mais ge youn nan moment kap pran soin dans l'hôpital mi balèr. Eh bien, frère, c'est ça bien aimé, zak sa yo pa suspann fèt nan commune mi balèr. L'autre jour qui saute passé à là, t'es gagné Jean-Louis qui tatouye trois petites li qui en bas code et journée jodi a encore nous gagné Sony Cassius qui en bas code à cause ni prend deux petites garçons li gagné li lagé au nom tout toilette. Eh bien zak sa qui passé dans localité nan Gilbert pou kounye a, eh bien Sony nan garde à vue. Après, eh bien, juge Nixon Marcellus te fin fait constat légal yo. Mes amis, maman yo, plus présent, plus prudent. C'est vrai qu'on est situation difficile, mais ça va peut-être son fin font ti moun, et puis qu'on y a là pour prendre tout de à toute connaissance sur yo quoi bourré dans toute toilette. A qui ke, mes amis? Bagay la compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, insolite nous pour journée jodi a. Oh, papa, vendredi, oui, matin. Week-end fait commencer et puis gardez dans qui situation jeune garçon trouvé dans derrière en moto. On regarde vidéo ça ensemble. Est-ce qu'on a des causes dans des motos hein? Est-ce qu'on a des zé dans des motos? Mes amis, vendredi matin, oui. Mon jeune garçon qui est en sous dans l'état ça. Bagay la compliqué. Pendant moi, jeune garçon, ça dans des motos, ça m'a rappelé. Il y a trois messieurs qui montaient forêt des pins, ils allaient dans le marché. Mais, dans l'après-midi, ils ont tourné dans le bouc, font verrette. Pour sortir forêt des pins pour arriver dans ville Fonverrette, c'est un coup t'as sorti et Kenskoff ou braler Léogane. Mais puis fort route Lionette c'est mon yoyi. Eh bien trois nèg yo qui montaient forêt nan matin ak yon moto yo rive forêt li fait fret. Eh bien, nèg yo tombe bwè ta fia.
Nèg yo bwè tan fye, yo bwè tan fye, yo bwè tan fye. Mais gen youn li même qui fait taxi, qui pas tellement bwè en pile, mais dès l'autre yo sou kou pipirit. Et bien ça qui passe, frères et sœurs, dans l'après-midi, oh oh. Trois nèg yo monte moto a, et puis yo ap descend pour yo vini fon verre. Mais gon son ki rele te froide. Depuis l'on commence à arriver là, température a commencé à changer côté que te frette là, li commence à fon ti chaud. Nèg yo commence à chaud et puis clairien commence à faire plus effet. Gon son ki rele batte froide. Sa ki te chita en dernier sous moto a saut tombé. De l'autre yo, clairien tellement fort dans tête yo, yo pas senti si l'autre la tombé des moto. Ça veut dire c'est comme si map saute si. Eh bien, fait mat en l'air. L'aime rivé dans zone la boule sec, gen yon ki tombé et puis nous pas au courant. Le yon pral re si koné ge yon ki tombe, se le yon rivan ba la ville, le sa la fe picho kleré ap dégage tet yon pral kle, le yon kampe moto a yon vi regade yon pawe lot la. Sa veut dire te ki tan tombe nan route depuis longtemps, y perdi nan route la. Alors tre kabou la ve kaite papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en ap gade image sa. Oui. Ça c'est Eddie One di i est débarqué vinn prend en Haïti. Mais mon dit non bagay. En pile nan nous critiquer, li fait l'aide pour regarder si américain temps en temps k'ap vinn prend nèg Borisite ou la souveraineté, ou la souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. Mais nous gè souveraineté. Frère, c'est ça bien aimé, nous pas rappeler nous en 2020, yo te mette Eddie One en bas code pour drogue. Qui juge qui te libéré? Posez tête nos questions. Parce que c'est nous-mêmes qui audacieux. C'est nous-mêmes qui avons fait bêtises dans notre propre pays. Nou. Et puis, il faut nous jouer dans le monde pour nous accuser. Laissez pas mauvais esprit, c'est Satan, c'est les États-Unis qui la cause n'a pas souffri. Laissez pas mauvais esprit, c'est les États-Unis. Laissez pas les États-Unis, c'est la France. Laissez pas un tel, c'est un tel. Laissez pas nous pas chambre responsabilité. N'a pas les de souveraineté, ou tandis que la police arrête ensemble avec de l'autre policier, mettez-le dans le poteau, li joue un juge qui blanchit, dit c'est vrai. Juge la blanchi li voye la kaili. Donc, Julien Jodia, comment juge sa wel nan miwa? Comment le gade tête li? Comment le sentil le gade l'oué di i e apren monte avion Jean-Michel ap grien dan en tant que sans honte pralé? Comment sentou? Comment wè ou? En tant que juge? Comment wè ou? Et puis, Julien Jodia, nous tout a pété courir mes amis gang yo soubisant. Ouais nous qui gang officiel dans pays. Même pas perdre nous ça. Comment ouais ou journée jodi elle n'a parlé de souveraineté souveraineté tandis que nous kembe nèg la menan sac nan drogue. Nous kembe la dan nous blanchi encore. Donc les États-Unis ou bien j'en te capable dire dit et qui vient prendre la c'est persécution politique ça. Persécuté, le menti, il a fait souli. Gardez-le à l'aise pour l'aller, gardez-le à la souris. Oh my God. Et vous connaissez ça, belle, frères et sœurs. Majorité gros drogue dealer qui est dans le pays d'Haïti, c'est un ami autorité, oui, oui. Sénateur, député, président, ministre, gros policier, etc. Oh, on bagaille comme ça. Comment nous, ouais, nous? Eh bien, c'est ça, c'est responsabilité, ça, toujours parler, nous pas j'en prendre. Parce que, l'on pas prendre responsabilité, ou qui est-ce qui a de respect pour vous? Les confins fait bêtise, soit qu'un bénèg là dans le droit, ou qu'on est là-dedans, soit le baron de Sikakaran, et pour la gueule. Et puis, je ne j'en dis, ou gade tête ou nan miwa, ou gade di i e kaprel kap monte ensemble avec, ou di, m'fè comme pam nan m'fè net. Et puis, je ne j'en dis, c'est ou même kap kouri pour gang qui nan, qui subissent ne oui, tribunal pas ka fonctionne. Comment fait l'autre blanchi criminel sa yo, l'autre blanchi drogue dealer yo, et bien,
tribunal te fonctionne normalement. C'est là pour moi un dossier, eh bien, malheureux qui fait 15 ans en prison, qui vole un régime banano, laisse ça, eh bien, pas gagner sécurité pour le tribunal là fonctionner. L'autre a libéré, eh bien, kidnappé, gros volé, assassin soi-disant, prisonnier politique, ou te joué une sécurité, tout bagay te passe bien pour, mais qu'on y a ou pas joué une sécurité, c'est quoi l'histoire? Comment nous, ouais, nous? Parce que nous gè ça pour défaut, nous pas chambre responsabilité nous pas chambre responsabilité après ça pour j'en a fait yeux nous cherche dans la république. Oh oui, la souveraineté bon doit dire au sans papier nous yo c'est yo ban nous manger c'est yo gros petite nous l'école et puis n'a vinn parler la souveraineté journée jodi a dis moi comment yon l'autre pays pral gen respect pour un juge dans pays d'Haïti c'est un bon abolotcho. On bon abolotcho. Donc, l'autre la konne qui est-ce qui mange la Jean Petro Caribe et bien fait je recherche mon pose yo pa konne. Tout de vole. L'autre la konne dans qui condition touye Jovenel, oui. Et bien, c'est là dans tout le besoin riche, oui, chaque mois pour yon bali 1 million goud pour toute famille jouen visa. Et dans le dossier ça même pour famille jouen visa. À la traka, papa. La gars qui dit oui. Là, on a fait avec une équipe chef vicieux, grand goût, saf, qui pas kakin beke. Eh bien, non, qui ça nous capable espérer de yon? Frère, c'est ça, bien aimé, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, sauf volé kaprete. Nous gagnons Fritz Dorvilliers, eh bien, qui se consul Haïti dans Montréal. Nous rappelons dernièrement là, nous te pote nouvelle, ça pour nous. Pays Canada mette pays d'Haïti dans liste pays pour participer dans programme 1000 infirmières. Consulat estime autorité yo pa dwe kite ressources sanitaires pays al travail au Canada. Ça veut dire pour stopper infirmières qui décident de tenter chance yo pour yo al travail dans pays Canada. Haïti fait partie pays qui plus faible dans ratio personnel santé par habitant. Eh bien, gagne 10 professionnels sous 1000 habitants. Consul, aïe aïe aïe, petit garçon, je comprends, mais qui ça n'a fait bon ici? Pour l'État stopper nous pour nous parler, ça l'État ba nous fait pour lui là. Ça l'État ba nous fait pour lui là. Pas l'État, c'est caoutchouc, dit nous boule. Gardez ça qui a passé dans l'hôpital général, qui a plus passé 10 jours depuis l'hôpital la campé. Si mon ap mouri, Ariel, gardez nous ces docteurs qui sont dans tête pays. Ya. Qui sort avec passé. Et vous voulez pour nous rester là, pour nous faire qui ça? Pour nous bouler caoutchouc? Pour toujours aller dans la grâce, semble pour dire le pays va mal? Et sans besoin? Non, frère, c'est ça. Ça l'État va nous régler pour lui. Qui ça l'État haïtien va nous régler pour lui? Que bouler caoutchouc, camper des barricades, nous, c'est lui qui va venir nous. Qui ça va nous faire? Qui institution qui va marcher? Non, expliquez-moi, c'était Jovenel qui était problème auparavant. Donc, je ne dis pas, non, donc, qui est snap la charge là? Frère, c'est ça bien aimé, pour je travaille dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas de question de compétences, non? Mais son question de belle devant. Yes. Son question de belle dash. Son question de façon habillée. Son question de belles outils. Ya! Yeah. Donc, gè kote ou pralman de travail nan pays d'Haïti. Bien que ou konnen nan pays a, yo pa apprend nou pou nou faire business, yo apprend nou pou nan travay a moun. Yes, ça nous clé sou li. Mais quand même pour commencer gon côté pour t'ap touche puis pour faire l'argent pour créer propre entreprise pa, pas gen problème. Consulman m'explique un bagay. Gè kote ou pral chercher job nan pays d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, depuis 3 mois faut commencer faire dette. Faire dette comment? Ou achete bagay pou al nan gym, ou al fè deyò pousse, ou al fè squat pou gen bel jarret, ou al fè pile abdomino pou ventou kase, ou al leve halte pou tete ou bien pointu. Of course. Et puis ou al rive a, gonjon debake, gon jup 3/8 sou, ke fon nan rive an ba mis deyò, kuis yo bien paret ou mette yon en valet. Et bien, se pa même nan CV a yo pral gade. C'est sous taille, c'est façon présenter, c'est sac sous ou, faut acheter bon parfum pour le présenter. Yo pa gen temps pour li CV. Yo pa gen temps pour li bagay comme ça.
Bon, sous besoin de job là, tout bon vrai, le wap leve patron qui t'a passé son interview, a, gonjon passe, gale non, kembe baguette pantalon, ou font soukel, hein, ou leve, ou prend poids et pou la gecha. M'ba kache dou, demain matin, vin travail bonheur. Nan pays d'Haïti, de ki compétence, ressources, ki ressources, mes amis. Ou pa ou sa ou fait jeune yo? Gade qui est-ce qui dans tête pays, ya? Yon grand moun 78. Gade qui est-ce qui dans ministère la santé? Yon grand moun 83 ka pipi pou pou toilette sou li. Gade qui est-ce yon te besoin mette président provisoire? Mais Saint Jean-Louis chaque 3 jours le pèdi la parole. Et puis c'est lui yon te besoin mette président etc. Ou est yon besoin jeune dans pays ça? Si c'est yon aptan ou pa wè nou mouri déjà et pa des barricades yon mette nou boule caoutchouc, fè kreye c'est ça seulement yon kite pou nous. Il n'y a pas quitté ressources. Mon cher, parlez cause qui normal tant des frères. Ou consul, quand sorte café pour nous pito parce que j'en wap dit pas quitter, wap dit ça n'a prêt faire. Qui ça n'a prêt faire frère Jésus? Qui ça n'a prêt faire? Wap bataille pour fond business. Et bien wap saisi ouais. Pour commencer avancer dans business là, même moun ki bon koto wap fait complot. Là yo wè façon ap rentre kòb et bien gon jwenn ap bataille pou éliminer parce que yo pa vle ti piti ki nan classe moyenne nan passé. Ou ap wè comment yo ap tout pizou comment yo ap déraciné ou. Pagay yo an pil oui. Ou même ki ka tante chance ou jwenn ti travail mes amis, tante chance ou al travail tande. Ou ki pe konsil la tande ki nan Canada ka bred lo glacé ki pense Haïti easy, jan easy l'autre bord. En tout cas ge de moun, se mou vacances yoye, se mou yoye, yo pa kon bridra blan. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. J'en ap gade ti vidéo sa. Ou ti vidéo sa gade le bien. Chien ki ou zo non ki vet. Chien ap force pran zo. Gade bien, mes amis. Chien pense zo a nan ki vet la. Mais malheureusement, zo a tout kole nan ki vet la, donc son dessin li. Et bien c'est même discours ça politicien gagne pas Borisi. Là on vini dit on va faire ceci, on va faire cela, menti. Menti, yo pas camper sous moyen menti, pas gagne on va faire. Donc faut commencer capable toucher bagaille, faut commencer suspendre vivre dans rêve nous, faut commencer vivre réalité. Attendez. Les nèg dou li pral fa gauche, li pral fa droite, les nèg di li pral bay population ka et cetera. Menen ti investigation pou konn kote le rete parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nèg la pa gen kay pou le rete, comment le pral fè? Et bien fè kay pou rete. Bon pa konn prion saximan mes amis, comment on vle pou la fè kay pou rete tandis que li même li pa gen kote pou le rete? Ala traka pou la avec Haïti papa. En tout cas, j'aime toujours aimé dire Haïti dictature l'appel des Antilles. Haïti démocratie c'est la république des coquins sauf volé kaprete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi pour aller m'a quitter ou n'a papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas me Foucault et n'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous. One love.